Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons réaliser un petit collier pour son chien ou pour son chat. Avec un super bandana bien coloré. Donc pour ceci, vous aurez besoin du patron. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un email à mon adresse mail qui sera en barre d'infos et je vous l'enverrai, d'un fermoir, d'un anneau, d'une sangle, d'une machine à coudre, d'une bobine de fil, d'une paire de ciseaux, d'une chute de tissu et d'épingle. Donc là, je vous montre plus ou moins à quoi ça va ressembler quand tout sera cousu. Et donc pour la mesure de la sangle, c'est le tour de cou de votre chien, plus 5 cm, pour pouvoir replier sur les côtés. Donc là, je prends mon patron, je l'épingle à mon tissu et je vais venir le couper. Une fois que c'est fait, j'enlève les épingles et je vais venir replier 0,5 cm deux fois et passer au fer à repasser pour pouvoir préformer mon ourlet. Une fois que c'est fait, je viens piquer au point droit à la machine. Ensuite, je viens plier mon bandana endroit contre endroit et je viens épingler. Maintenant, je n'ai plus qu'à piquer en laissant les deux ourlets, les deux parties des ourlets sans couture, puisqu'on passera la sangle après à l'intérieur. Je dégage mes ongles et je viens retourner mon bandana par le trou où on va passer la sangle juste après. Je ressors correctement tous mes coins. À l'aide d'une aiguille, je sors ma petite pointe. Et maintenant, je vais passer le tout au fer à repasser pour bien aplatir mon travail. Maintenant, je me munis de mon fermoir et de mon anneau. Donc, dans un premier temps, je viens passer ma sangle à l'intérieur des deux trous qu'on a laissés de mon bandana. Maintenant, je vais passer le premier embout de mon fermoir et replier sur 2 cm et épingler. Je passe mon anneau qui me permettra par la suite de accrocher ma laisse. Donc la laisse qu'on a réalisée dans la précédente vidéo. Et ensuite, je passe mon second fermoir. Enfin, l'autre partie de mon fermoir, et pareil, je replie sur 2 cm, je fais un petit carré à la machine avec une croix à l'intérieur pour bien fixer le tout. Donc, comme je disais, on passe à la machine. Donc pareil, vous prenez bien votre temps parce que vous allez avoir deux épaisseurs de sangle vu que c'est plié. Et des fois les machines elles ont un petit peu de mal, donc vraiment prenez votre temps de bien fixer.
Donc voilà, maintenant vous avez votre petit collier bandana avec votre laisse personnalisée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à partager avec moi vos photos via Instagram. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!